Satan, je ne signerai pas ce contrat. J'aime bien cet amen. Satan, je ne signerai pas ce contrat. Et donc, l'enseignement de ce matin nous permettra d'avoir une parfaite compréhension du thème évoqué. Vous savez, souvent nous lisons la Bible, mais nous ne la comprenons pas. Cependant, il n'y a que la compréhension révélée des Écritures qui nous assure la pleine liberté et la jouissance des promesses rattachées à notre existence. Voyez-vous? Très important. Le sous-thème sera donc la bénédiction d'Abraham. Genèse 15, versets 13 à 14. Genèse 15, versets 13 à 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Il est important de situer le contexte de ces propos et qu'on puisse avoir en mémoire que le jour où Dieu dit ces paroles à Abraham, il est en train de conclure une alliance avec lui, c'est-à-dire un contrat, un pacte avec des engagements réciproques. Donc Dieu s'engage ce jour à l'égard d'Abraham en lui disant, tes descendants seront captifs dans un pays, d'accord, pendant 400 ans. Et donc il parle de l'Égypte 400 ans. Et il dit, il y a une nation qui va les asservir et les opprimer. Cependant, je te garantis Abraham, je vais libérer tes descendants. Et en jugeant la nation qui les aura opprimés. Et ensuite, ils sortiront avec de très grandes richesses. Donc là, c'est ce qu'on appelle des promesses prophétiques. Donc, qui engage le ciel. Donc, Dieu s'est engagé à l'égard d'Abraham en disant ces choses-là à Abraham. 430 ans plus tard, Abraham n'est plus. Nous sommes dans la dispensation de la loi et on est un grand leader ressuscité par Dieu. Le leader est formé dans les entrailles de Pharaon. Et donc ce leader, c'est Moïse. Et dans le désert, on se rend compte que Dieu lui apparaît. Et Dieu parle à Moïse et il dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple et les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Maintenant, je t'envoie délivrer ce peuple. Et Dieu avertit Moïse en disant, attention, quand ce peuple sortira, Moïse, il ne faut surtout pas que tu commettes l'erreur de les laisser partir les mains vides. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de se souvenir de la parole qu'il a donnée à Abraham. Donc quand Moïse arrive, il voit la manifestation des plaies. On est à la 9e plaie. Il y a trouble en Égypte. Donc, vous voyez, Pharaon est un grand leader. Il se dit, bon, il faut que je règle la question. Il veut donc peut-être traiter le peuple d'Israël comme des sécessionnistes qui sont en train de demander leur indépendance. Il dit, ok, on va avoir un accord de liberté. Vous allez donc partir de chez nous. Vous partez avec vos femmes, vos enfants, mais vous laissez ici toutes vos richesses. On pose donc l'accord où tous les juristes de Pharaon ont regardé tout l'accord. On pose sur la table. Moïse regarde, il dit, je ne signerai pas cet accord. Je vous garantis que quand Moïse retourne auprès des siens et que ceux qui l'ont accompagné dans son staff, tous ne doivent pas être d'accord avec lui parce que tous veulent la liberté. On veut partir d'ici parce qu'ils sont brimés par les fouets, etc. Ils veulent partir. Moïse dit non, il est hors de question de sortir les mains vides. Mais quand il dit non,
Pourquoi? Il dit non parce qu'il veut tenir les promesses. Non, on ne sortira pas d'ici les mains vides. Voyez-vous, c'est très important. Imaginez que vous avez un homme de Dieu qui était à la place de Moïse et qui dit non, dans tous les cas, on a trop souffert dans ce pays, il est temps de sortir. Je vous garantis qu'il y a une multitude qui dira, on est d'accord avec lui. Sauf que, écoutez bien, une bonne pensée n'est toujours pas une pensée divine. On aurait dit non, dans tous les cas, il faut qu'on parte. Mais non, Moïse, il n'aime pas notre bien. Non, non, non. Moïse dit non, on ne partira pas les mains vides. Donc il dit, je ne signerai pas ce contrat. Vous ne pouvez pas être un grand leader dans la vie si vous n'apprenez pas à refuser certaines alliances, à signer certains pactes avec l'ennemi. Même à Jésus, un pacte a été proposé. Le diable l'a transporté sur la montagne et dit, te prosterne devant moi, je te donnerai tout ce royaume. Jésus a dit, je ne signerai pas ce contrat. Il y a des contrats dans la vie qu'il faut refuser de signer. Pourquoi? Parce que tu connais ton Dieu. Et nous allons voir demain que même le pacte que Jésus refuse de signer, il refuse de signer en se rappelant des promesses de Dieu faites à Abraham. Il ne pouvait pas tomber d'accord avec Satan. Dit Satan et moi, on ne sera jamais d'accord. Non, dis-le bien, Satan et moi, on ne sera jamais d'accord. Alors maintenant, nous allons étudier la voie et la bénédiction d'Abraham et comprendre quelle influence elle a sur la destinée du croyant. Et comment est-ce que le croyant devrait donc s'appuyer et demeurer sous cette influence positive qu'est la bénédiction d'Abraham pour pouvoir triompher dans la vie de tous les jours. Galates 3, versets 13 à 14. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que, voyez-vous, pourquoi est-ce que Christ nous a racheté? Il nous a racheté pourquoi? Regardez le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Dans le rachat dont nous sommes l'objet, c'est afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement dans ta vie. En d'autres termes, quelqu'un qui est sauvé est entré légitimement sous l'influence positive de la bénédiction d'Abraham. C'est ce que la Bible dit. Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Pour que vous compreniez bien ce que c'est, il faut comprendre ce que c'est qu'une bénédiction. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? La bénédiction, ce sont de bonnes paroles relâchées sur la vie d'un individu. Sous l'autorité de Dieu et ayant en elle la capacité de manifester les vœux qu'elle énonce. De déclencher une haute faveur divine sur cet individu. C'est ça la bénédiction. Des paroles relâché sous l'autorité de Dieu sur la vie d'un individu ayant en elle la capacité de manifester les vœux qu'elle énonce, de déclencher la haute faveur de Dieu sur cet individu-là. Et la bénédiction infuse l'individu d'une capacité d'en haut, le rendant ainsi à même de manifester les bénédictions énoncées. C'est-à-dire, si Dieu te dit, tu es la tête, il t'infuse d'une capacité, te rendant à même de devenir la tête. Donc, il met en toi la capacité pour que la parole annoncée se réalise. C'est ça la bénédiction. Voyez-vous? C'est ça la bénédiction. Et ensuite, la même bénédiction relâchée sur ta vie va déclencher ou orchestrer des événements surnaturels qui vont coopérer en ta faveur afin que se réalise ce que Dieu a annoncé. Donc quand tu es béni, il y a des rencontres spectaculaires qui arrivent. Il y a des contrats que tu signes. Il y a les portes par lesquelles tu entres. Personne n'imaginait que ça pouvait t'arriver, mais ça arrive à cause de l'influence surnaturelle de la bénédiction sur ta destinée. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Ton amen, mon bébé, dis un bon amen.
Et donc, c'est important. Et nous devons aussi comprendre la raison pour laquelle Dieu bénit. Il y a deux jours, Dieu m'a parlé dans ma couche, j'ai vraiment été secoué par cette révélation. Il m'a dit, fils, quand je bénis un homme, je le bénis pour atteindre mes objectifs au travers de lui. Donc la raison pour laquelle Dieu bénit, c'est parce qu'il veut atteindre ses objectifs par ta vie. Et pendant longtemps, voyez-vous, on a pensé que Dieu nous bénit simplement pour qu'on soit heureux. Non, mais le but majeur de Dieu, il veut atteindre ses buts par ta vie. Voyez-vous? Est-ce que vous comprenez ça? Ça change tout. Dieu veut atteindre ses buts par ta vie. Donc il te bénit pour que tu sois un témoin de sa gloire. Il te bénit parce que par toi, il y a quelque chose qu'il veut faire. Regardez la première personne que Dieu a bénie. Il s'appelle qui? Adam. Il a béni pourquoi? Pour que Adam domine. Le projet de la domination n'était pas un projet humain, c'était un projet divin. La domination était des objectifs que Dieu voulait atteindre sur la terre. Mais il a voulu l'atteindre par Adam, c'est pour ça qu'il a béni. Donc chaque fois que Dieu te bénit, ta vie est réquisitionnée pour les desseins divins. Voyez-vous? Parce que Dieu, par ta vie, veut faire des choses extraordinaires. Et là, ne l'ayant pas compris, on a transformé l'église en un endroit où les gens viennent commander les grâces. Pour entrer et continuer de vivre comme si Dieu était un Dieu du dimanche. Voilà le drame. D'accord? Voilà le drame. Quand on n'a pas compris le sens de sa destinée, on muselle l'action des bénédictions à notre égard. Je te bénis parce qu'il y a un but à atteindre. Amen. Regardons donc le cas de la vie d'Abraham. Genèse 12, versets 1 à 3. Dieu, Abraham, regardez la vie d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta partie de la maison de ton père, vas-y dans le pays que je te montrerai. Et il dit, je te bénirai. Et il dit, je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre, je bénirai ceux qui te béniront et toutes les familles de la terre seront bénies après toi ou en toi. Voyez-vous? Donc ici, on a le cas d'Abraham. Abraham est fils de Terach, adorateur d'idoles. Je viens à sa rencontre. Vous comprenez ceci? Abraham n'a pas demandé à Dieu de venir. Mais Dieu a vu en Abraham la personne qu'il pouvait utiliser pour ses desseins. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il faut sortir Abraham et le bénir. Parce que quelqu'un que Dieu veut utiliser doit être béni par Dieu pour être à même de faire ce à quoi Dieu l'appelle. C'est ainsi qu'il dit à Abraham, je te bénirai. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies après toi. Regardez comment est-ce que cette bénédiction va opérer dans la vie d'Abraham. Abraham sort. Quand il sort avec son neveu, Lot, et ils s'en vont. Les deux entreprennent une marche. La prospérité commence à accompagner l'autre. Les affaires de l'autre sont bénies. Abraham est béni. La bénédiction est grande dans la vie des deux. Mais qu'est-ce qui se passe? Lot ne perçoit pas que c'est la présence d'Abraham à ses côtés qu'il déclenche cette faveur sur sa vie. Et il commence à avoir des problèmes. Et l'autre commence à dire, vous savez, moi aussi je suis grand, moi aussi Dieu m'a béni. Le problème n'est pas que tu sois grand. Le problème c'est que tu comprennes qui te rend grand. Où est la source de ta grandeur? Qu'est-ce qui fait que les choses sont dans ta vie comme elles sont? Souvent on oublie vite. On oublie ce que Dieu a fait. On ne se souvient pas de là où il nous a pris. On ne se souvient pas que c'est à cause de sa grâce qu'on est devenu ce qu'on est devenu. Et nous commençons à jouer les personnes importantes. Alors l'autre va avoir cette attitude. Et Abraham va lui dire, vous savez, à son neveu, oh bon, écoute, il n'est pas nécessaire qu'on ait des querelles. On va se séparer. Au lieu de dire à son oncle, s'il te plaît, mon oncle, pardonne-moi, on va discipliner nos gars. Il dit, ok, on va se séparer. Pourquoi? Il était devenu important. Mais Dieu va lui enseigner quelque chose d'étrange. Il perdra sa femme dans le problème. Il va dire, écoute, maintenant, mon oncle, ok, moi je prends la plaine. Puis quand il regarde, il voit la plaine. Pour lui, c'est l'endroit agréable. Abraham dit, il n'y a pas de problème. Moi, j'irai de l'autre côté. Et les deux se séparent. Plus tard, l'endroit qui était apparemment un beau pays va être frappé par Dieu et il perdra sa femme dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il était séparé de la bénédiction. Donc la cause de sa protection était la bénédiction qui l'accompagnait. Aussi longtemps qu'il a été déconnecté, c'était fini. C'était terminé. Mais Abraham a continué de prospérer. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait parlé.
Et vous allez vous rendre compte que cette bénédiction qui était sur Abraham va donner à Abraham de prospérer dans l'endroit qui apparemment n'était pas fertile. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va montrer quelque chose de terrible à Abraham. Il va dire, Abraham, moi quand je te bénis, ce n'est pas ta requête de prière qui amène à l'existence ce que j'ai annoncé. Donc souvent quand nous prions, nous demandons des choses qui sont inférieures à ce que la bénédiction nous réserve. Et il dit, donne-moi un enfant, Dieu dit, il n'y a pas de problème, mais je ne te donnerai pas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas te donner ce qui n'est pas en conformité avec ce que j'ai annoncé. J'ai dit, je ferai de toi une grande nation. Mais comment tu vas me demander un fils? La bénédiction dit quoi? Je rendrai ton nom grand. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir un nom célèbre mais il n'est pas grand? Vous pouvez être populaire sans être grand. La grandeur, c'est autre chose. Quand la bénédiction d'Abraham est sur ta vie, ton nom devient grand. C'est-à-dire quand on cite ton nom quelque part, respect total. Ce n'est pas un nom populaire, mais un nom capable d'influencer. On voit ton nom sur un dossier, il est validé. Les gens parlent de toi sans te connaître. Pourquoi? Parce que tes œuvres deviennent éloquentes. Ce qui se passe par ta vie émerveille. Un croyant qui continue de mener une vie normale est un croyant qui n'a pas encore goûté à la saveur de la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham t'amène à mener une vie qui est au-delà du standard normal. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Oh, que cette bénédiction t'accompagne au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Ça fait partie de la bénédiction d'Abraham, la grandeur du nom. Il rend ton nom grand, sans publicité. Les gens peuvent passer leur temps à faire des spots à la RTI, TF1, CNN, mais toi, Dieu lui-même, se sache, par tes anges et ses anges, à rendre ton nom grand. Et souvent, quand il rend ton nom grand, il ne rend pas toujours comme tu le désires. L'écho s'en va. Souvent, au départ, ça s'en va négativement. Mais, tu comprendras dans le message pourquoi. Mais après, Dieu retourne toutes les choses en ta faveur. D'accord? Je ferai de toi une source de bénédiction. La source est que quand les gens sont avec toi, ils prospèrent. Quand les gens te côtoient, les choses commencent à décoller. Quand cette grâce est sur ta vie, même tes compagnons de marche commencent à être visités par cette huile. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Je déclare sur ta vie qu'elle va t'accompagner partout sur le territoire de ta destinée. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Que ce soit ta portion. Que ce soit ton partage. Amen. Celui qui te bénira sera béni. Donc vous voyez, elle va orchestrer des faveurs qui vont amener des gens à venir vers toi. Tu vas voir des personnes qui veulent te faire du bien, qui veulent traiter avec toi à cause de cette bénédiction qui t'accompagne. Et la Bible dit, celui qui te maudira sera maudit. En d'autres termes, elle va susciter la jalousie. Il y a des gens qui voudront te faire du mal. Voyez-vous, on va te tendre des pots de banane, des pièges sur ton chemin, pour te faire tomber, pour jeter l'opprobre sur ta vie. Mais cela se retournera toujours contre ceux qui l'ont orchestré au nom suprême de Jésus. Il ne faut jamais oublier que les vendeurs de Joseph, ses frères qui l'ont vendu, ont fini par se prosterner devant lui. Les personnes qui s'attaquent à ceux qui opèrent sous la bénédiction d'Abraham finissent par se mettre à genoux devant lui. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction d'Abraham qui accompagnait Joseph. Quand elle est sur ta vie prend de la hauteur. Je te garantis, tu n'es pas encore au bout de tes surprises. Dieu va t'étonner. Tu verras des choses que tu n'imaginais même pas voir dans ta vie arriver à cause de cette bénédiction. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Et regardez ce que la Bible dit dans Genèse 22. Concernant cette bénédiction, il dit, Genèse 22, 15 à 18, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois des cieux et dit, je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. C'est ce qu'il dit à Abraham. Parce que tu as obéi à ma voix. Et vous allez réaliser que cette bénédiction est la seule que Dieu a prononcé en engageant son trône. Il a engagé son trône en la déclarant. C'est-à-dire que c'est la bénédiction la plus dangereuse de l'univers, celle d'Abraham. Parce que cette bénédiction a engagé le trône de Dieu. Dieu a juré sur son trône quand il a dit.
Il dit, je le jure par moi-même. Et imaginez-vous, Dieu jure alors qu'il demande de ne pas jurer. Imaginez ce que le ciel est capable de déployer quand la bénédiction d'Abraham se trouve quelque part. Or, je suis en train d'annoncer à quelqu'un que le jour qui arrive te réserve des surprises extraordinaires. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Je vais dire à quelqu'un, quelqu'un pose la question, mais pasteur, mais pourquoi depuis je ne le vois pas? Parce que tu n'as pas perçu. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que le diable va tout faire pour t'amener à ne pas voir ce qui t'est annoncé. Il dit, Abraham, le pays que tu vois, je te le donne. Tant que tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas. Donc le vrai problème, c'est que la parole doit t'amener à percevoir. Il dit, parcours le pays que tu vois, je te le donne. Le problème, c'est quoi? C'est que nous ne comprenons pas que tant que nous n'avons pas vu, nous n'avons pas. Donc ce n'est pas une question de non-exaucement, c'est une question de vision. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu le vois vraiment? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce que tu vois, je te le donne. Tant que tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas. C'est le principe de cette bénédiction. Elle le paie par la foi. Je dois voir d'abord avant de recevoir. Voyez-vous? Je dois voir d'abord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à l'église? Mentalité de sauterelle. Vous ne comprenez pas que quand on vous amène à voir des vélos étant bébé, étant enfant à l'école primaire, avoir des bicyclettes, on est en train de museler la venue de la manifestation de la grâce abrahamique. On t'amène à voir petit. Tu vois petit, j'appelle ça la mentalité de sauterelle, les criquets du désert, les gens qui ne savent pas voir comme Dieu voit. Dieu ne fera pas dans ta vie ce qui ne lui ressemble pas. Il ne faut jamais l'oublier. Quand Dieu veut agir, il faut que son action lui ressemble. Montre-moi dans la Bible une seule action de Dieu qui ne ressemble pas à Dieu. Quand il agit, ça lui ressemble. C'est ce que Dieu est. Donc il y a des requêtes, des prières. Adresse-toi à ta voisine. Adresse-toi à ton voisin. Il va t'exaucer, pas Dieu. Ça ne ressemble pas à Dieu. Abraham a demandé longtemps un enfant. Dieu dit, jamais je te donnerai un enfant. Tant que tu n'as pas compris le but pour lequel je bénis, tu n'obtiendras rien. Quand il a changé de perception et qu'il a commencé à voir des nations, sa femme est tombée enceinte. À un âge où normalement on ne tombe pas enceinte. Je vous montrerai pourquoi il fallait d'abord que Sarah atteigne la ménopause pour avoir un enfant. Vous savez, on ne comprend pas la bénédiction. Il faut comprendre. Dis à ton voisin, il faut comprendre. Dis à ton voisin, il faut comprendre. Alléluia. Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu ment? Alors maintenant, regardons Galates 3, verset 14. Regardez ce qui est écrit. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus. Maintenant, changeons le mot païen. Qui parmi vous hier était païen? Levez la main. Moi, en premier, j'étais un gros païen. Levez la main comme ça. Amen. Si vous êtes encore païen, baissez la main. J'ai dit, ceux qui étaient païens, levez la main comme ça. Vous étiez païens. Amen. Regardez la main. Regardez, caméra filmée. Ils étaient tous des païens avant. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous moquer des païens? Vous étiez païens avant. C'est la grâce de Dieu qui vous a sauvé. D'accord? Maintenant, regardez. Regardez. Ramenez-moi le verset. Regardez ça, s'il vous plaît. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour enlever païen, mettez votre nom. Si c'est votre Bible, barrée. Si c'est votre Bible, enlevez païen. Et afin que la bénédiction d'Abraham eut pour Raoul son accomplissement en Jésus-Christ. Donc, cette bénédiction s'accomplit dans la vie de qui? Dans la vie de qui? Quand on allait païen, on met ton nom. Ça arrive dans la vie de qui? Dans ta vie. Ça s'accomplit quand? En Jésus-Christ, n'est-ce pas? On est d'accord? Dans ta vie. Cette bénédiction s'accomplit dans ta vie. Dieu s'accomplit dans ma vie. Encore, encore. Allons-y, allons-y, continuons de ramener le verset. Voyez-vous? Et nous afin que nous réussissions par la foi l'Esprit qui avait été. Quels sont ceux qui parmi vous ont le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Vous avez le Saint-Esprit? C'est déjà la première partie de la promesse. Elle est là. Le Saint-Esprit est arrivé. On est d'accord? Tu as reçu le Saint-Esprit. Maintenant, regardons la deuxième dimension. Romains 4, verset 14. Quand tu as le Saint-Esprit, pourquoi est-ce que tu l'as? Romains 4, 14. Car, Romains, si les héritiers le sont par la loi, la promesse est vaine. Ok? Romains 4, 14. En effet,
ce n'est pas, voilà, en effet, c'est verset 13, je vous, oui, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham? Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham? Quel héritage? L'héritage du monde. Il a promis quoi? L'héritage du monde. Maintenant, quand on reçoit le Saint-Esprit, le but pour lequel on le reçoit, c'est pourquoi? C'est pour hériter le monde. Pourquoi? Parce que par Abraham, Dieu voulait ramener sur toute la terre le standard de vie qu'il avait conçu au ciel et que Adam n'a pas eu le temps de perpétuer. Donc il dit, je vais recommencer ça. Je vais donc par Abraham ramener sur la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce que j'avais prévu faire. Mais à cause de ça, je vais commencer avec une nation appelée Israël, qui sera le spécimen illustratif, qui va démontrer ce que je suis capable de faire. Et dans la nouvelle alliance, par le sang de Christ, j'aurai l'accès légal pour permettre à tous les païens de se greffer et de passer à un autre niveau. Oh mon Dieu! Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, suivez-moi attentivement, mon Dieu. Suivez-moi bien. Vous regardez Israël? Vous voyez Israël? Vous avez déjà vu un Israël toucher quelque part et puis il n'y a pas bruit de bruit? Vous touchez un bébé israélien en France, le président Macron se déplace pour aller dire, il y a quoi la famille? Vous comprenez? On va demander pardon, on va les saluer, comment ça va? Vous prenez 15 Camerounais, 25 Ivoiriens, 40 Tchadiens. Ils tombent, on ne fait même pas de communiqué de presse. On s'en fout. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, parce qu'en fait, quand les Noirs meurent, ce ne sont pas les morts. Ça devient important quand ce sont certaines personnes qui sont mortes. À cause de la grandeur du nom, on ne joue pas avec leur identité. Vous comprenez? Et je veux vous dire que ça, c'est l'héritage dans la chair. Parce qu'en fait, un Israélien aujourd'hui hérite d'Abraham dans la chair. Pas par l'esprit. Donc son héritage est l'héritage qui était l'ombre des choses à venir. Donc ce qui se passe en lui, c'est l'ombre. Les vraies personnes qui doivent démontrer la vraie image. Ah mon Dieu! Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Les personnes qui doivent démontrer la vraie influence, ce sont ceux qui en Christ ont hérité de cette bénédiction. C'est pourquoi je vais te dire, qui ne bouge pas, ils vont bouger. Tu ne peux pas toucher un enfant de Dieu et tu dors tranquille. Non, celui qui a osé te toucher, ou qui va toucher le pan de ta robe, je te garantis qu'il ne dormira pas la nuit. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Pourquoi? Parce que la bénédiction d'Abraham assure la protection de la personne bénie. Je vais vous dire une chose. Ces gars que vous voyez dans les grosses maisons et les grosses voitures, garde-corps, rien ne vous prouve qu'ils dorment. D'autres prennent des somnifères. Mais il y a des gens, quand tu les touches, quelqu'un comme moi, tu me touches, même le somnifère t'empêche de dormir. Tu ne dors pas là. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je... À cause de la bénédiction d'Abraham. Vous voyez? C'est important. Pourquoi? Parce que Dieu a promis, d'accord, que cela se manifestera dans ta vie. D'accord? Donc vous voyez aujourd'hui, quand on regarde l'Église, l'Église doit illustrer cette vérité. Que quelqu'un dise, c'est ma portion. Que quelqu'un dise, c'est mon partage. Personne ne pourra te toucher impunément. Pourquoi? Parce que tu es protégé. La main de Dieu est sur ta vie. Et le drame, c'est quoi? C'est que je vois beaucoup de croyants qui pensent qu'ils sont protégés parce qu'ils prient. C'est l'un des plus gros mensonges. Mais les gens sont là, oui, frère, j'ai fait 7 heures à la prière. Oh, alléluia. Vous voyez, vous ne priez pas assez. C'est pour ça que Dieu ne vous protège pas. Alléluia. Et vous voyez, les gens disent amen. Oh, et ils viennent là, ils se disent, oh, enseigne-moi à prier 7 heures. Après 2 minutes, 3 minutes, ils dorment. Parce qu'il ne dort pas parce qu'il est attaqué. Il dort parce que Dieu ne veut pas qu'il ait de la stupidité. Tu ne peux pas faire 7 heures de temps pour être protégé. C'est un sérieux problème. Et le problème, c'est que ça génère la peur. Et on perd la conscience de l'alliance. L'alliance oblige le ciel à l'action. Je vous pose une question. Ange Esther, je vois aimer tes enfants. Tu aimes beaucoup tes enfants. Tu es devant Dieu à eux tout le temps. Je sais. Je te pose une question. Tes enfants. Tu as l'enfant en tes mains. Ton enfant a prié pour que tu le protèges. Tu l'as protégé, non? Tu le protèges toujours. Même souvent quand ils sont désobéissants. Tu viens, papa, voilà la photo, prophétise, je suis mon fils champion, déclare des paroles. Et je prophétise parce que je comprends le cœur d'une mère qui parle. Amen. Voyez-vous? À l'égard de l'enfant. Donc, Dieu ne nous protège pas parce qu'on prie.
Il nous protège parce qu'il nous aime et nous sommes en alliance. C'est pour ça qu'il nous protège. La bénédiction d'Abraham engage le ciel dans ta vie. J'ai vu un documentaire qui m'a béni. Une autruche avait eu son enfant. Et elle était là avec son mari. Les enfants étaient là, une portée. Ils étaient une portée nombreuse. Et voilà une panthère qui arrive. La panthère arrive et puis la maman se dégage. Elle fonce vers la panthère. Elle détend ses ailes. Donc elle couvre son regard. Donc elle ne sait plus où se trouvent les enfants et son mari, qui commence à fuir dans une autre direction. Alors, j'ai vu l'intelligence de l'animal. Elle commence à aller comme ça. Donc, en boitillant, la panthère se dit, c'est une proie facile. Donc, elle commence à la poursuivre. Elle accélère. Et elle jette un coup de caisse et se rend compte qu'ils sont totalement partis. Elle commence à accélérer. Dans le temps qu'il réalise, il a perdu. Pourquoi? Parce que la mère s'est engagée à protéger ses petits. Et donc, quand j'ai vu ça, Dieu m'a dit, fils, si les animaux veillent sur leurs enfants à une telle dimension, à plus forte raison, moi qui suis votre père, dis à mon peuple que je suis Dieu. Je t'ai engendré. Il veille sur ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. À cause de la bénédiction d'Abraham. Je vous pose une autre question. Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce qu'il a déjà menti? Alors dites-moi, pourquoi pensez-vous que ce qu'il a dit à Abraham, notre père, ne s'accomplira pas? Il a promis à Abraham l'héritage du monde. L'héritage du monde. Cet héritage, c'est ta portion. Ton amen m'embête. Et vous allez vous rendre compte que cette bénédiction, quand elle est sur ta vie, elle est forte. Quand Abraham s'en va, Dieu est tellement grand, que quand Abraham s'en va, Genèse 25:5 nous raconte comment est-ce qu'il donne son héritage, la majorité de ses biens à son fils Isaac qui les met en. Quand vous lisez la Bible dans Genèse 26, la famine a frappé. On se pose la question, mais où est parti l'argent d'Isaac? Puisque c'est dans verset 12 que la Bible nous dit, Genèse 26, que l'Éternel le bénit et il devient riche. Donc, alors, ça veut dire quoi? Dieu n'avait jamais considéré qu'il était riche quand il a eu l'argent de son père. Puisqu'on dit, il devint. Il s'est mal dans ce pays et il recueillit cette année centuple. Quand l'Éternel le bénit, continue verset 13, cet homme devint. Il devint. Ça veut dire que c'est là où il est devenu. Donc, tout ce qu'il a reçu de son père ne l'a pas rendu riche. C'est là où il devint riche, alors qu'Abraham était très riche. Vous comprenez, aux yeux de Dieu, ce que je reçois comme matériel n'est pas la richesse. En fait, la vraie richesse, c'est d'abord la bénédiction qui m'est transférée. Parce que je peux perdre les biens, mais la bénédiction va toujours m'établir sur des biens. Et donc, suivez bien. Non, pas d'excitation. Suivez très bien. Qu'est-ce qui se passe là? Vous devez comprendre que chaque fois que la bénédiction d'Abraham est en action, la bénédiction d'Abraham ne s'épanouit que dans l'adversité. Quand il n'y a pas d'adversité, la bénédiction d'Abraham n'est pas à l'aise. Et donc, c'est elle-même qui va susciter l'adversité, parce qu'elle s'exprime mieux dans l'adversité. Donc, c'est à cause de la bénédiction relâchée sur Isaac que maintenant la famine va arriver là où il se trouve. Parce qu'il est béni. Il va peut-être dire, oh, délivrance, j'ai besoin de délivrance, des liens générationnels. Oh, la famille, non, c'est à cause de la bénédiction d'Abraham que la sécheresse arrive. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il est béni. Dieu veut lui enseigner à dépendre de la bénédiction qu'il a sur sa vie et non les richesses qu'il obtient. La Bible dit, il devient riche et fort riche. On lui portait envie. Mais Dieu était toujours avec lui pour l'amener à une dimension insoupçonnée. Donc, ce que Isaac avait hérité de plus important de la part de son père, Abraham, n'était pas les richesses. C'était d'abord la bénédiction d'Abraham. Que cette bénédiction que tu as héritée t'accompagne au nom suprême de Jésus. Amen. Dis encore Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Oui, cette bénédiction va se révéler fortement dans l'adversité. Dans l'adversité. Alléluia. Regardez encore le cas de Jacob. Regardez Jacob. Jacob est béni, n'est-ce pas? Ok? Il est béni. Regardez Genèse 28. Regardez Genèse 28. Je vais vous montrer quelque chose. Genèse 28. Regardez. Genèse 28, verset 3 à 4. Quand Isaac a compris ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convoquer son fils pour une bénédiction solennelle.
il va convoquer, il voulait bénir Ésaü, mais par supercherie de sa femme, Jacob va être introduit à la place. Maintenant, regardez, comment est-ce qu'il va bénir? Il dit, regardez bien, que le Tout-Puissant te bénisse. Il n'a pas fait, non, c'était des paroles. Vous savez, vous pouvez prier 15 heures de temps, mais une bénédiction relâchée en une minute a plus d'impact. Parce que là, il y a une différence entre prier et bénir. Que le Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude. Verset 4, qu'il te donne la bénédiction. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il te donne la bénédiction. Il n'a pas dit qu'il te donne ma bénédiction. Il comprenait que lui-même était dépositaire d'une alliance au-dessus de lui. Vous entendez maintenant les pasteurs dire, oui, que mon... Non. Il a référé à Abraham. N'oublie jamais que la croyance en Jésus te donne d'avoir accès au ciel. Mais ta filiation abrahamique est ce qui légalise son héritage de la terre. Toute personne qui ne te donne pas, vous voyez, de comprendre ça, va t'empêcher de jouir de ce qui a été promis à Abraham. L'héritage du monde, c'était Abraham. Je crois en Jésus, je vais au ciel. Mais pour jouir de la terre, je dois être conscient de la bénédiction d'Abraham, de l'héritage qui est réservé à ceux qui croient en Abraham. C'est ce qui me donne l'accès à la terre. Parce que c'est à lui que ça a été promis. Voyez-vous? Et donc, il va le bénir. Revenons au verset 4, Genèse 8. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité, afin que tu possèdes le pays où tu habites, oh mon Dieu, où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Voyez-vous, dans ce genre de bénédiction, quand c'est relâché sur ta vie, ça te permet de récupérer ce que Satan a volé. Vous n'avez pas compris. Non. Il dit, regardez. Il dit à toi et ta postérité afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. Tu habites dans le pays comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Non, comprends ça. Tu habites le pays comme étranger alors qu'il a été donné à Abraham. Mais tu es étranger dans le pays. Il dit, quand la bénédiction est sur toi, ça te donne de récupérer ce pays. Tu es dans un... Non. Écoute-moi bien. L'argent est acquis. Non, s'il te plaît, pas moi. L'argent est acquis, l'or est acquis. Adieu. Donc même les banques qui les détiennent, c'est pas à eux. Donc tu peux être étranger parce qu'on t'a dit que tu n'en as pas. Étranger dans les territoires des finances. Mais la Bible dit, cette bénédiction te donne de récupérer le pays où tu habites comme étranger, alors que ça a été promis à ton père. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, au nom suprême de Jésus, que ce qui a été récupéré, t'es ramené au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Oh, j'entends quelqu'un me dire, mais pasteur, si j'avais su ça plus tôt, je serais allé à l'école. Ce n'est pas une grâce scolaire, c'est une grâce divine. Comment expliquer que des gars qui sont esclaves, les gars qui sont esclaves, qui ne savent même pas s'exprimer correctement, qui n'ont pas eu le temps d'être scolarisés, parce qu'ils ont fait 430 ans. Donc, en fait, même aller à l'école, ils n'avaient pas le temps. C'était tous des manœuvres. Parce que tous les jours, il y avait le foie derrière eux. Et qu'on dit, sinon, vous allez aller demander à vos mères des richesses. Vous pensez que dans leur tête, ça passait? Dieu n'a pas envie de faire des choses qui passent dans ta tête. Tu penses que ça passe dans la tête? Non, on ouvrier, brimé, fouetté. On dit, tourne-toi vers le maître, demande ses richesses. Toi-même, tu vas ouvrir la bouche pour parler comment? D'abord, pour qu'ils parlent, il faut qu'ils aient été empuissancés pour parler un langage compréhensible. Qu'ils aient été infiltrés par une force qui leur donne le courage de se lever et de dire, maître, donne-moi tes trésors. Quoi? Il faut que quelque chose se soit passé en toi. Et cette chose-là arrive dans ce séminaire. Non, tu n'as pas compris. Cette chose arrive dans ce séminaire. Tu vas te lever et aller récupérer ce qui était à toi. Non, je refuse que tu meurs sans avoir accompli ce mandat. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Qu'est-ce qui s'est passé? La bénédiction d'Abraham. Parce que tu avais parlé à Abraham. Donc, en cette année-là, la force de Dieu est entrée en eux. Ils sont allés récupérer. Voyez-vous? Je vais vous montrer comment. C'est possible. Ils sont allés récupérer les trésors. Ils sont sortis. Quelqu'un qui est sorti du monde, mais qui est sorti les mains vides, les poches vides, le compte bancaire vide, n'est pas encore totalement sorti.
Il faut aller récupérer. Il faut aller récupérer. Les choses qui t'appartiennent doivent revenir entre ta main. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. C'est ta portion. Dans cette bénédiction, elle te fait prospérer en terre étrangère. Elle était le facteur spécial qui a déclenché la floraison de Jacob chez Laban. Jacob arrive chez Laban. Il arrive 14 ans. Il est là pour travailler pour ses femmes. Mais à la fin, quand il sort, il entre esclave et son maître. Et Jacob, Laban reconnaît de sa propre bouche que Dieu t'a béni. Il t'a rendu plus riche que nous dans ma tente, dans la propre maison. C'est ce que la bénédiction d'Abraham est capable de faire. Vous voyez comment est-ce que je veux dire? Cette bénédiction est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Donc elle déclenche une adversité, mais elle te donne de prospérer dans l'adversité. Regardez Esaïe 45, verset 7, pour bien comprendre. Regardez Esaïe 45, verset 7. Regardez. Je forme quoi? Je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Je vous pose une question. Entre la lumière et les ténèbres, qu'est-ce qui a été créé en premier? Qu'est-ce qui a été créé en premier? Mais qu'est-ce qui, donc, est manifesté en premier? Les ténèbres. Mais en fait, quand les ténèbres viennent, quel est le but des ténèbres? Les ténèbres viennent révéler la lumière. Voyez-vous? Voilà, les ténèbres, parce qu'en fait, il crée la lumière. Et il s'est dit, bon, il faut qu'elle brille. Donc, pour qu'elle brille, je dois épaissir le noir, épaissir au maximum. Plus c'est, le noir est épais, les ténèbres épaisses, comme en Égypte, mieux la lumière resplendit. Regardez les lampadaires de la rue qui sont allumés en plein jour. Ça ne vous est d'aucune utilité parce qu'il fait jour. Mais s'il fait nuit, vous appréciez la beauté des lampadaires. Les gens seront appréciés la grâce sur ta vie en temps d'adversité. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Un enfant d'Abraham n'a pas peur de l'adversité. L'adversité te révèle. L'adversité est le piédestal sur lequel la grâce que tu as opère. Je déclare que cela se manifeste dans ta vie au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Le drame de cette génération, c'est que nous suivons des gens qui n'ont aucune preuve de ce qu'ils disent. Et les gens parlent et soutiennent des discours sans évidence. Je suis la preuve que ça marche. Ce que je vous dis, je l'ai expérimenté. Et Dieu m'a dit, fils, je veux par toi susciter une nouvelle génération de leaders. Vous savez, les choses vont changer. Je vous garantis, les choses vont changer. Je ne blague pas quand je le dis. Filmez-vous, faites des photos. Filmez votre maison. Vous dormez dans un entrecouché. Filmez la maison. Laissez Dieu vous montrer de quoi il est capable. Ah! Mais attends, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Alléluia. Imaginez-vous, oh mon Dieu, quel... Jésus lui-même, il était sous la bénédiction de qui? D'Abraham. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas naître au palais. Il ne pouvait pas. Il était sous la bénédiction d'Abraham. Donc il est né dans l'état. Parce que cette bénédiction va toujours te donner de commencer dans les endroits hostiles. Regardez la suite. Ramenez-le. Ramenez le verset, s'il vous plaît. Ramenez-le. Merci. Regardez ce qui est écrit. Je donne la prospérité. Il dit quoi? Je donne. Il dit quoi? Je donne. Je te donne. Mon frère. Tiens, je te donne. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu prends. Je te donne la prospérité. Maintenant, dès que tu la reçois, ramenez le verset. Dès que tu reçois la prospérité, qu'est-ce qui se passe? Ramenez le verset. Je donne la prospérité et je crée. En d'autres termes, quand l'adversité vient, c'est parce que la prospérité t'est déjà donnée. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Est-ce que quelqu'un... Tu l'as déjà. Mais comme tu l'as déjà et que cette prospérité ne peut agir que dans l'adversité, l'adversité vient maintenant dans le but de révéler ta prospérité. Voyez-vous? C'est exactement ça. C'est pourquoi vous mettez Abraham, vous mettez Jacob, vous mettez Isaac, tous ont eu les mêmes problèmes. Jésus, les mêmes problèmes. David, les mêmes problèmes. À cause de la bénédiction d'Abraham.
elle va toujours créer l'adversité. Et c'est pourquoi la sœur de Sarah a accouché. Ses nièces ont accouché. Tout le monde a accouché, sauf elle. Pas parce qu'elle était maudite, mais parce que la bénédiction d'Abraham devait passer par elle. Et donc tu ne comprends pas dire, Seigneur, pourquoi tu le manges, c'est moi, pourquoi tu le manges. Je dis, reste calme. C'est à cause de ce que tu parles là que l'adversité arrive. Reste calme. Ne pleure pas comme tout le monde. Les gens accouchent normalement. On va apporter des cadeaux. Mais accoucher à 90 ans, c'est un événement mondial. J'ai dit, je rends ton nom grand. Si ton nom est grand, tes témoignages doivent être grands comme ton nom. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Je déclare sur ta vie que ceux qui se sont moqués de toi seront embarrassés quand ils verront la main de Dieu sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Hey! Alléluia. Et ce qu'il y a de beau dedans? Quand cœur, ce qu'il y a de beau. Ce qu'il y a de beau dedans, c'est que Dieu dit que quand il bénit, la bénédiction t'infuse de capacité. Ça veut dire que l'habileté n'est pas scolaire. L'habileté n'est pas universitaire. L'habileté n'est pas intellectuelle. L'habileté n'est pas humaine. Cette habileté vient d'en haut. Elle est sur ta vie maintenant. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis un bon Amen. Alléluia. Et vous voyez donc que quand la bénédiction d'Abraham est sur toi, tu as l'impression que tu as trop de problèmes. Seigneur, les choses sont faciles pour tout le monde, sauf pour moi. Pourquoi est-ce que les choses disent comme ça pour tout le monde, papa? Et puis tu commences à penser que tu dois faire des efforts pour que, oui, le Dieu ait pitié de toi. Non, il y a une bénédiction rattachée à ta vie. C'est simplement ça. Et vous voyez, quand tu comprends donc que ta vie, c'est pour les desseins et les plans de Dieu, tu arrives à rendre grâce à Dieu dans l'adversité. Continue de lui faire confiance. Amen. C'est ce que Dieu est capable de faire. C'est un grand Dieu. Il dit, regardez Ésaïe 60, verset 5, tu tressailliras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira. Et ce tout déjà. Est-ce que vous avez déjà eu un bond de cœur? Ton cœur bondit. Un jour, quelqu'un m'a dit, la fois où j'ai reçu la plus grosse sémence de ma vie, c'est que j'ai reçu la première fois, j'ai atteint cette dimension de sémence. Quand c'est entré dans mon cœur, je n'ai même pas envie de vous donner mon temps, vous allez avoir peur. Mon cœur a bondi. Dit, ton cœur bondit, ça se dilate. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire AVC. C'est un bond divin. Bam, bam, bam. Tu commences à voir les spasmes de la gloire, les flots de la joie. Tu es à table comme ça, tu manges, le riz n'a plus de goût, la viande n'a plus de goût. Les spasmes de la joie sont en train de t'accompagner. Je déclare sur ta vie que telle sera ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu est capable de faire. Amen. Et la bonne chose, c'est que Dieu a promis que cela arrivera au fils d'Abraham. Alléluia. C'est extraordinaire la bénédiction d'Abraham. Nous vivons une saison de faveur spéciale qui accompagne l'Église sur le chemin de sa destinée. Regarde ce qu'il dit. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. C'est-à-dire, elles étaient allées en Orient. Et puis, à un moment, on dit que non, il est à Abidjan. Demi-tour. Pam, pam, pam. Ça se tourne vers toi. Donc, c'est depuis le moment où tu vas faire trop d'efforts. Non, mais la grâce de Dieu, la bénédiction divine va amener ça vers toi. Et on dit, quand les richesses de la mer, quand les trésors des nations, tu as été béni à Abidjan, ce n'est pas suffisant. Dieu t'a béni à Paris, ce n'est pas suffisant. Les trésors des nations. Un jour, je me trouve à Tikapa, une petite ville au Congo, et on vend des diamants. J'entends la voix du Saint-Esprit me dire, j'étais frêle, petit, je ne pouvais même pas imaginer que Dieu pouvait conduire mes pas là où je suis aujourd'hui. Le Saint-Esprit me dit, ramasse des diamants ici, prends quelques-uns, achète-les, laisse-les partout où tu te trouves. Laisse tes trésors à côté, ce sont tes trésors. Je suis allé faire des photos, j'ai pris quelques pierres, je suis revenu avec. Je me suis filmé avec la richesse. Parce qu'il fallait que la richesse me voie et reconnaisse que je suis là. Est-ce que quelqu'un comprend? Le problème, c'est qu'il faut faire attention à tes balades. Ne sois pas toujours en train d'aller te balader vers le fumoir. Sors de temps en temps et va te balader dans les endroits qui vont te reconnaître. Il y a des immeubles qui t'attendent, des maisons qui t'attendent, des châteaux qui t'attendent, des entreprises qui t'attendent. La Bible ne t'a pas dit de faire des efforts. Non, on dit seulement montre-toi.
Parcours le pays. Parcours-le. Parcours-le. Car le pays que tu vois, je te le donne. Autre chose. Chaque fois que tes yeux sont exposés à quelque chose, c'est pour provoquer ta foi pour l'obtenir. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Si on prend l'argent aujourd'hui et on te donne, je te donne 1 milliard. J'ai dit, mon fils, vis comme tu veux. Les 1 milliard là ne te garantissent pas un style de vie élevé. Parce que la qualité de vie, ce n'est pas l'argent. La qualité de vie, c'est les choses auxquelles tu es exposé. Ça dit, ce n'est pas l'argent. On peut te donner 1 milliard et puis tu continues à avoir des latrines où on ne tire pas l'eau. Parce que tu n'as pas vu autre chose. Pour pouvoir avoir un style de vie, il faut d'abord être exposé. Ce n'est pas pour rien que David, avant d'entrer dans sa royauté, va faire un séjour d'abord auprès de Saül. C'est Saül, pourquoi? Parce qu'il faut qu'il voit le palais avant d'y venir. Donc ne fais pas... Attention, mon frère, tu ne peux pas côtoyer certaines choses si Dieu ne te les a pas réservées. En plus, si tu m'as comme pasteur, c'est ton indicateur crédible. Quelqu'un n'a pas compris. Non, donc, vous savez... Certains d'entre vous, ce sont vos enfants qui vont comprendre ce que je dis. Parce qu'on sera déjà au ciel. Vos enfants vont comprendre. Parce que vous ne voulez pas comprendre. Ils vont comprendre après vous. Voyez-vous, le problème, c'est là dans la tête. C'est là dans la tête. C'est là dans la tête. C'est notre système de pensée. Cette bénédiction est sur ta vie. Elle est sur ta vie. Elle t'accompagne pour faire des exploits dans ta génération. Et donc, dis après moi, c'est ma bénédiction. Non, dis-le encore, c'est ma bénédiction. La bénédiction d'Abraham. Dis-le encore. Vous voyez, et souvent les gens sont là. Vous savez, j'aimais beaucoup ces chansons quand j'étais jeune. La bénédiction d'Abraham est mienne. Je chantais ça. J'aimais chanter. Les bénédictions d'Abraham sont miennes. Souvent, je ne comprenais pas tout ce que je disais, mais j'ai tellement chanté que Dieu a fini par m'expliquer. Aujourd'hui, vous voyez la louange où les gens sont engagés. Coupé. Jésus-Christ, amen. Jésus, coupé. Jésus-Christ, amen. Mais enfin, honnêtement, tu danses pourquoi? Qu'est-ce qui te donne d'être heureux? Parce qu'on a dit coupé. Souvent, les gens dansent le coupé parce qu'ils ont envie de décaler comme dans le monde. Et comme ils n'ont plus l'opportunité de couper et de décaler, alors ils transfèrent ça sur l'autel de Dieu et vous les voyez dans les déhanchements charnels. Il faut danser à la mélodie de la révélation. Danser parce que tu sais que le Dieu qui t'a appelé est en train d'accomplir quelque chose de grand au travers de ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous comprenez pourquoi je vous dis toujours on va quelque part? C'est parce que j'ai compris ça. On va quelque part. C'est simple. On va quelque part. La Bible dit dans Galates 3, verset 7, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils. Ceux qui ont la foi sont des fils. Ceux qui ont la foi ont des fils. En d'autres termes, on parle à d'autres personnes. Mais quand c'est toi-même, tu ne lis pas ce verset comme ça. Je reconnais que parce que j'ai la foi, je suis fils d'Abraham. Donc, c'est très... Je reconnais que je suis fils d'Abraham. Bon, maintenant, c'est possible que dans ta famille, personne n'a percé. Mais ça, c'était ta famille d'avant. Le drame, c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre vous êtes restés Dida, Baolé, Annie, Bété, Français. Voyez-vous? Mais vous n'avez pas eu la révélation de votre nouvelle filiation. Cette bénédiction fonctionne quand vous comprenez votre identité. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Verset 10, la Bible va plus loin. Et la Bible dit de reconnaître aussi. Regardez verset 10. La Bible dit que tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. D'accord? C'est très important. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Dis, je suis béni. Je suis béni. Dis-le encore, je suis béni. Je suis béni. Et béni avec Abraham. Je suis béni. Dis-le encore. Je suis béni. Encore. Je suis béni. Alléluia. La Bible n'a pas dit que tu vas être béni. Donc, comme la bénédiction est déjà là, l'adversité vient te montrer qu'elle est là. Afin que le verset 29 s'accomplisse. Le verset 29 s'accomplisse dans ta vie. Galates 3, 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham,
héritier selon la promesse. Je déclare sur ta vie que ce que le ciel t'a promis, tu l'obtiendras parfaitement. Rien n'empêchera la floraison de la gloire de Dieu dans ta vie au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. L'adversité à laquelle tu fais face n'est qu'un indicateur que la grâce d'Abraham est sur ta vie. Fais des espoirs dans ta génération au nom suprême de Jésus. Je vous demande pour la dernière question. Vous avez entendu parler des Juifs, la Shoah. Vous avez entendu parler? Ils ont été entourés de 7 adversaires. Ils ont livré des guerres. Ils ont toujours été vainqueurs. Pourquoi? À cause de la bénédiction d'Abraham. Quand elle est sur ta vie, tu n'es jamais dans la défaite. Jamais. Jamais. Jamais dans la défaite. Cette bénédiction est nôtre aujourd'hui. Elle nous accompagne. C'est important. Le plus petit deviendra en milliers. Le plus petit. Comment vous imaginez les gens qui ont été persécutés à cette dimension? Persécutés. Regardez la nation d'Israël. Même aux États-Unis, aucun président ne prend sa politique sans les consulter. Ils sont influents dans tous les pays. Quand on dit Israël, on tremble. Et toi, tu l'es. Et toi, tu l'es. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais après ce séminaire, je te garantis, tu vas voir ça de tes propres yeux. Que Dieu bénisse ton âme et ta vie. Amen. Que Dieu célèbre ta vie. Amen. Acclame le Seigneur pour sa fidélité. Va mieux que ça. Acclame le Tout-Puissant. Rends grâce à Dieu pour la bénédiction d'Abraham qui est sur ta vie. Alléluia.